bonsoir, vous êtes au Melting Pot Festival sur rugfm.com, je suis Jocelyn, le président. Cette année, on vit une grosse édition, malheureusement il pleut, mais l'ambiance est au top. On a une édition folle avec un magnifique chapiteau, avec deux autres scènes qui sont absolument magnifiques, avec un nouveau groupe tremplin pour encourager les petits groupes qui montent dans la musique suisse. Cette année, vous pouvez trouver Tinkabell sur la grande scène avec Rootworld ou $7 Taxi sous le chapiteau. On a aussi du beatbox sur l'alternative avec Lil Kicks. On a de l'humour avec Malvin et Renaud et Edem là-bas. On a eu aussi le groupe 36 Rue du Swing qui nous a fait du jazz manouche qui était absolument exceptionnel. Si malheureusement pour vous, vous n'avez pas pu venir cette année, on vous invite cordialement à venir l'année prochaine pour une édition qui sera sûrement encore plus folle. Retrouvez toutes les infos sur www.meltingpotfestival.ch. Alors bonsoir, on est en direct du Melting Pot Festival. C'est super cool, on s'amuse comme des fous. Ah, c'est la folie ici, il y a beaucoup trop de monde. Tous ceux qui sont pas venus d'ailleurs, ils devraient revenir l'année prochaine, car vraiment c'est la folie. Ouais, on a gagné des chapeaux cardinales incroyables d'ailleurs. Donc franchement, l'année prochaine, ne manquez pas le Melting Pot Festival. Super travail, franchement, félicitations. C'est un super festival. Bravo, bravo. Voilà, alors le Melting Pot Festival à Aubonne, c'est une adresse où il faut revenir, une adresse à voir. C'est pas cher, c'est vraiment bien, c'est génial, ça vient d'Aubonne. Merci. Salut à tous, je m'appelle Alejandro Reyes et je suis chanteur, compositeur, interprète. J'ai eu la chance cette année d'être sélectionné par le Melting Pot Festival comme le coup de cœur de cette édition 2013. Tout s'est super bien passé sur scène, le public était monstre chaud, les gens ils étaient super réactifs, j'ai passé un super bon moment, je m'étais rarement senti aussi bien sur scène. Et voilà, j'ai eu le privilège de jouer pour la première fois ici à Aubonne. Et voilà, comme je viens de dire, ça s'est super bien passé. Mais c'est pas grave si vous n'avez pas été là aujourd'hui au Melting Pot Festival, parce que si vous voulez me retrouver en showcase, ce sera le 4 mai à la FNAC de Lausanne. Et j'espère vous voir nombreux. Si jamais, alejandroreyes.com et sur Facebook et tous les autres trucs, Twitter, etc. Alors bonsoir à tous, on est au Melting Pot Festival à Aubonne. Alors juste pour dire qu'on passe un très bon moment et que ça vaut la peine de venir parce que c'est vraiment une bonne ambiance. Bon malheureusement le temps il n'est pas avec nous, mais venez tous l'année prochaine, franchement ça vaut la peine. C'est sympa, bon il pleut c'est dommage mais les concerts sont sympas. Dommage que je pense que la qualité des artistes mériterait un peu plus de personnes qui viennent les voir et sinon bah tout le monde s'amuse, c'est bien. Donc, super accueil, l'organisation géniale. Super surprise, joli village et bonne ambiance. C'est juste dommage qu'on n'ait pas eu beau temps. Mais bon, ma foi, il y a de la bière, donc l'ambiance est là. Voilà. Rouge FM, c'est pour tout, Yo, Lil Kicks, donc Human Beatbox depuis 12 ans, donc là on vient faire le Melting Pot Festival. Comment dirais-je, en quelques mots, pour faire bref, on va pas dire que c'était bien, on va dire que c'était ouf. Vraiment les gens étaient dans un esprit vraiment purement musical, c'était vraiment énorme. Et j'ai fait, pour me présenter rapidement, donc Lil Kicks, ça fait 12 ans que je suis du beatbox. J'ai fait la première partie des Nègres Marrons, La Fouine, l'Algérino, etc. Et je trouve que là en ce moment, j'ai des bons petits festivals comme ça et c'est vraiment un grand plaisir. Donc un grand merci au public, à Rouge FM et puis big up. Dire c'est qu'il faut maintenir le mouvement, cet événement il est important pour la culture d'Aubonne, franchement, quelle ambiance, vous rendez pas compte, venez, il faut venir.